Bonjour à tous, ici Franco La Muerte. Bienvenue dans mon espace musical. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Spark Creative Drum Machine d'Arturia, qui est un centre de création rythmique de type boîte à rythme avancée, combinant comme source sonore la puissance de l'émulation analogique, la modélisation physique, ainsi que les classiques samples, le tout étant optimisé pour favoriser l'aisance et la rapidité créative. Juste à ma droite ici se retrouve le module physique de Spark comme tel. Il s'agit d'un contrôleur dédié permettant de contrôler les divers éléments qu'on retrouve sur la version plugin ou logiciel du Spark, que d'ailleurs on peut remarquer ici à l'écran. Avec Spark, il est très facile de paramétrer et ou d'enregistrer différents patterns, des automatisations, différents rythmes, d'appliquer des effets de filtre, de roller, de slicer, voire même de changer de kit, et ce sans jamais avoir à utiliser la souris de l'ordinateur. Donc, nous verrons plus tard, cependant, comment avec le logiciel, nous pouvons aller plus loin dans la création musicale. Mais pour l'instant, restons essentiellement sur le contrôleur physique du Spark et faisons sans plus attendre une première prise en main globale. Avant de lancer le logiciel Spark, assurez-vous que votre contrôleur physique Spark est bien branché en USB. Et si vous utilisez des rallonges USB comme moi, je vous encourage en plus à alimenter votre Spark avec un adaptateur 9 volts. Lors du premier lancement, le logiciel Spark aura probablement ouvert un projet Spark utilisant le premier kit 80s Studio Drums. Un projet contient un kit plus des patterns associés, incluant les automatisations. De ce fait, si j'appuie sur le bouton Play, c'est donc le pattern A1 qu'on entend avec le kit 80s Studio Drums. Cette section ici contient les 64 patterns qu'il est possible d'enregistrer sur Spark, le tout dans 4 banques nommées A, B, C et D. Chaque banque contient 16 patterns. Ainsi, en cliquant par exemple sur C12, eh bien, une fois que le pattern A1 a terminé son cycle, la lecture fait entendre le pattern C12 et etc. pour les autres patterns. Arrêtons la lecture. Et voyons plutôt comment programmer et enregistrer nos propres patterns avec un kit différent. Allons dans Load et choisissons Empty Project. Cela nous assure que dans cette section, il n'y aura pas de patterns préenregistrés dans les banques de patterns. Nous pouvons déjà ici sélectionner un des nombreux kits d'usine configurés par Arturia ou carrément ouvrir un projet complètement vide, sans kit et sans pattern. Prenons par exemple le kit Acid. Si on fait Play, on voit bien les petits voyants du Step Sequencer défiler, mais on n'entend aucun son. C'est normal. Arrêtons la lecture. Remarquons cependant que nous pouvons déclencher les sons à partir des pads, ce qui nous assure qu'un kit est bien chargé dans le Spark et prêt à l'emploi. Il y a ici deux grandes façons d'inscrire, par exemple, notre ligne de bass drum. La première consiste à sélectionner le bass drum avec le bouton Select, et en appuyant sur le pad déclenchant le bass drum, on remarque qu'au passage, une petite lumière est présente ici, nous indiquant quel pad est sélectionné. Une fois sélectionné, nous pouvons ajouter sur le séquenceur duo les endroits rythmiques où on souhaite entendre le bass drum. Nous pouvons effacer certains bass drums en appuyant à nouveau sur les chiffres comme ceci. Arrêtons la lecture.
L'autre façon consiste à enregistrer le bass drum en jouant sur les pads aux endroits souhaités. Cela requiert un peu d'agilité musicale, mais permet d'être plus réactif et souvent créatif. Activons la lecture de la séquence vierge. Pour avoir une référence rythmique, activons le métronome en appuyant sur Select plus Tap ici. On entend maintenant le son du métronome avec un accent sur le premier temps afin de ne pas perdre la référence de la mesure. Ce que j'aime bien faire, c'est de pratiquer ma ligne de bass drum durant la lecture et une fois que je me sens prêt, il suffit d'appuyer sur Record et d'enregistrer le bass drum. À noter que par défaut, Spark va quantifier automatiquement vos enregistrements, alors pas de souci si vous jouez un peu offbeat, comme on dit. Spark s'occupe de quantifier durant l'enregistrement, et ce même si vous enregistrez plusieurs pads à la fois. Nous verrons plus tard comment faire pour désactiver cette quantification automatique si on le souhaite. Nous pouvons désactiver le métronome maintenant puisque nous avons la référence du kick. De même, nous pouvons désactiver l'enregistrement, mais tout en laissant tourner le pattern afin de pratiquer notre ligne de snare située sur le second pad. Une fois qu'on se sent prêt, il suffit d'appuyer sur le bouton Record et d'enregistrer notre snare. Si nous n'avons pas enregistré notre ligne comme on le souhaite, il suffit d'appuyer sur Erase ici et d'appuyer sur le pad correspondant. En désactivant le bouton Record, nous pouvons repratiquer notre ligne et lorsqu'on se sent prêt, encore une fois, il suffit de recliquer sur Record et nous pouvons reprendre l'enregistrement. Ajoutons maintenant les hi-hats. Arrêtons la lecture. Comme on l'entend, les 8 pads ici déclenchent 8 sons différents. En appuyant sur le bouton 1-8-1-16 ici, nous avons 8 autres nouveaux sons qu'on peut utiliser. Comme on le remarque, certains sons sont des sons de basse. Nous ne sommes pas limités qu'à des sons de percussion avec Spark. Ajoutons un peu de basse et autres sonorités de synthé sur notre pattern. Pour créer un autre pattern, il suffit de sélectionner un autre pattern vide au choix, par exemple A2 tout simplement, et nous pouvons paramétrer et ou enregistrer un nouveau pattern. Nous pourrions créer ainsi 64 patterns. Arrêtons-nous à 2 pour l'exemple. Maintenant, nous pouvons à la volée lancer la lecture et passer d'un pattern à l'autre comme nous l'avons compris. Nous pouvons copier-coller un pattern en appuyant sur Select plus Erase, appuyer sur le pattern à copier et sélectionner un autre emplacement pour coller le pattern. L'avantage, c'est que sur ce pattern fraîchement copié, nous pouvons ajouter et ou enlever certains éléments afin de créer des variations au sein d'une même nature rythmique. Par exemple, allons enlever les bass drums en sélectionnant le pad associé et en appuyant sur le séquenceur là où sont inscrits les bass drums ou carrément en appuyant sur Erase et sur le pad du bass drum correspondant. Ajoutons un peu plus de basse avec le pad 6 de la seconde tranche des 16 pads sur ce pattern-là. Maintenant, amusons-nous à automatiser un peu la fréquence de coupure de cette strate de basse via ce rotatif.
On remarque que le mouvement est enregistré pour ce pattern uniquement. Si on souhaite effacer notre automatisation, encore une fois, il suffit de cliquer sur le bouton Erase et de tourner le potentiomètre gérant l'automatisation. Si on souhaite entendre nos patterns avec un autre kit, il suffit d'appuyer sur le gros bouton ici durant une seconde. Ensuite, lorsque Change Kit est bien en vue, nous pouvons naviguer parmi les kits. Lorsqu'on souhaite en utiliser un, il suffit de presser sur le bouton pour valider. Évidemment, la nature sonore et la disposition des pads des différents kits peuvent donner des résultats variés et surprenants. Effaçons ce pattern en appuyant sur Erase et en sélectionnant le pattern ici. Si on souhaite passer d'un pattern de 16 pas à un pattern de 32, 48, voire 64 pas, il suffit de cliquer sur Select et de naviguer par ces boutons ici. Nous pouvons ainsi avoir des patterns plus ou moins longs. Par exemple, ici, avec le métronome, nous entendons l'accentuation après 8 temps, soit les 32 pas, et non après 4 temps, soit 16 pas. Enregistrons un pattern sur 32 pas. Arrêtons la lecture. Nous pouvons naviguer à travers les pages de step en cliquant sur ces boutons. En sélectionnant les différents pads, nous remarquons les endroits où ils ont été enregistrés sur le séquenceur. Si on clique sur ces deux boutons en même temps, l'affichage indiquera sur quelle page de step nous nous situons lors de la lecture. La fonction « Accent » ici permet d'accentuer certains steps de pad afin de dynamiser l'articulation rythmique des patterns. Enregistrons un pattern avec des roulades de double croche sur un hi-hat, par exemple, et plaçons quelques accents sur la ligne de hi-hat. On constate les accentuations maintenant. La fonction Shuffle, ici, permet d'ajouter du swing au groove. Cela sera particulièrement audible avec un pattern faisant entendre de petites figures rythmiques successivement, comme des doubles croches qui roulent sur un hi-hat, justement. À droite du Shuffle se retrouve tout simplement le bouton de volume. Nous pouvons bien entendu accélérer ou ralentir le tempo en changeant le tempo ici. De plus, nous pouvons définir ce tempo en tapant la vitesse manuellement sur le bouton « Tap » ici. Des fonctions de « Mute » et « Solo » sont disponibles ici. Pour mettre en solo certains pads, il suffit d'activer la fonction Solo et d'appuyer sur les pads qu'on souhaite mettre en solo. Il en va de même avec la fonction Mute qui permet de rendre silencieux momentanément certains pads. Voilà ce qui met fin à cette première prise en main de Spark. Dans la suite immédiate du tutoriel, nous verrons plus en détail les fonctions avancées présentes sur le contrôleur physique, comme le pad FX et l'option de loop, et autres petits détails. Plus tard dans la formation, nous étudierons les différentes possibilités propres au logiciel, ainsi que son intégration dans un séquenceur généraliste comme Cubase.